Allez, on va commencer, on va faire cet exposé ensemble. C'est pas un cours, hein, mais c'est une mise au point qui est complète. Et vous avez presque tous les détails qui peuvent être posés dans un concours. Et donc c'est un cours complet. J'espère que je vais tenir le coup pendant 1 heure et demie. Hein? Allez, on va commencer tout de suite. Donc, plan. Alors, voici à peu près le plan qu'on va suivre. On va commencer par définir qu'est-ce que c'est un bruit traumatisé. C'est une question qui est souvent posée dans un concours. On va parler un petit peu de la physiopathologie. Des différentes lésions qui peuvent s'observer au cours d'un polytraumatisme et détailler un petit peu la prise en charge, les mécanismes et les causes des différentes détresses vitales qu'on peut observer chez un malade polytraumatisé, détailler la prise en charge pré-hospitalière et hospitalière parce que c'est impliqué les deux ensemble. Et pour chaque étape, on va essayer de détailler un peu le... Alors, comme généralité pour introduire ce cours, vous savez que les accidents de la voie publique, ils sont responsables d'un nombre assez important de décès. Et comme aussi bien en Tunisie que dans d'autres pays du monde, les malades décédés à la suite d'un accident de la voie publique sont souvent des jeunes. Des jeunes entre 15 et 24 ans, le plus souvent. Vous savez que la première cause, c'est la vitesse et l'alcool. Donc c'est pourquoi il y a souvent ces jeunes-là qui décident. Bon, les statistiques tunisiennes, on n'en a pas, malheureusement. Et à chaque fois qu'il y a un cours ou un exposé, une conférence, on se réfère toujours à la littérature malheureusement étrangère. Alors ça, c'est quelques données sur le nombre de décès par enfant. Mais ce qui est attirant sur cette plaque, c'est que l'OMS elle a estimé qu'il y aura probablement 9 millions par an d'ici 2020. Et vous voyez qu'il y a un nombre assez important de malades qui décèdent à la suite d'un accident de la voie publique. Aujourd'hui, c'est la troisième cause de décès après les maladies cardiovasculaires et les cancers. Mais certainement, ça va devenir peut-être dans notre pays la première cause. Surtout après la Révolution. Il n'y a plus de respect de règles de la conduite dans les villes. Alors, ce qui est important aussi à savoir, il y a quelques années, les accidentés de la voie publique, quand ils arrivent en réanimation ou en urgence, on arrive à les sauver. Aujourd'hui, il y a deux types de catégories de malades. Il y a des malades très graves et des malades qui ne sont pas graves. Parce que les très très graves, ils décèdent déjà sur le lieu d'accident. On n'a pas le temps de les ramener. Et les premiers malades qui décèdent durant la demi-heure, c'est-à-dire sur le lieu d'accident, représentent à peu près 50% des décès. C'est énorme. Ça, c'est. On verra tout à l'heure pourquoi. Et qu'il y a 30% des malades qui décèdent durant les premières 24 heures. Et notre effort, il se joue sur cette période-là essentiellement, c'est le premier jour post-traumatisme. Donc, dès l'arrivée aux urgences, dès le ramassage, jusqu'à l'évolution ultérieure. Alors, pourquoi il y a 50% des malades qui décèdent sur le lieu de l'accident ? Généralement, c'est des accidents graves. Quoi qu'on fait, le malade va mourir. L'exemple type, c'est l'infection de la moelle épinière. Ou bien un traumatisme crânien très grave. Un écrasement du cerveau. Ça, quoi qu'on fait, on ne peut pas les sauver. Ou bien les ruptures des gros vaisseaux.
Quand la horde qui a éclaté dans un accident de la voie publique ou la 24, on ne peut rien faire. Quels que soient les moyens qui sont mis pour sauver ces malades. Donc vous voyez que les deux premières causes qui sont responsables du décès sur le lieu de l'accident, durant la première heure, c'est les lésions des gros vaisseaux et les traumatismes crâniens graves, les sections de la moelle. Et que durant les premières 24 heures, généralement le décès est secondaire à l'hémorragie. Et là où il y a les efforts à faire pour sauver ces malades-là. Et puis, le décès tardif qui représente à peu près un cinquième du malade, ces décès tardifs, généralement, ils sont dus à une évolution classique d'un malade grave, intubé, ventilé, il va faire le sepsis, les complications iatrogènes, etc., et qui va mourir par la suite. Voilà à peu près la répartition de la mortalité au cours donc, de l'hospitalisation d'un malade polytraumatisé. Alors c'est pourquoi on dit que les premières heures, la première heure c'est en platine, en or pardon, c'est-à-dire que c'est important d'agir vite, de faire les choses bien, de faire le diagnostic, de traiter les détresses vitales et également de traiter la cause de l'hémorragie s'il y en a. Et que les premières 24 heures sont en platine parce que c'est là où on a la possibilité de sauver ces malades. Alors, en revenant à la définition, qui est le premier chapitre qui est exposé après cette brève introduction, cette définition de polytraumatisé, elle a évolué au fil des années. Alors, durant les années 70 à 80, est considéré comme polytraumatisé un malade qui présente deux ou plusieurs lésions traumatiques graves qui peuvent être périphériques, viscérales ou complexes et qui peuvent entraîner des conséquences soit respiratoires, soit circulatoires. Ça, c'est l'ancienne définition. Par la suite, il y a eu un deuxième concept de cette définition. Est considéré comme polytraumatisé un décès porteur de plusieurs lésions dont une au moins peut mettre en jeu le pronostic vital. Alors évidemment, ces définitions, on revient chaque année. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué, tout simplement, qu'il y a des malades polytraumatisés pour lesquels il n'y avait aucune lésion apparente grave. Quand il vient aux urgences, le malade est en bon état hémodynamique, il est eupnéique, il n'a pas de détresse respiratoire, il est parfaitement conscient. Et malheureusement, quelques heures après, hop, il y a une lésion grave, le malade se dégrade, et il présente à ce moment-là une détresse vitale, qu'elle soit respiratoire, neurologique ou hémodynamique. Si on est à Mais deux heures après, le malade se dégrade. Et pourtant, quand il se dégrade, on trouve que la cause principale de cette dégradation secondaire, c'est une lésion grave qui n'a pas été vue. L'exemple, par exemple, un traumatisme de la rate. Ici, la médecine de la va bien. Il n'y a aucun stigmate de gravité, mais une hémorragie de la rate peut évoluer dans le temps. Par exemple, une rupture secondaire d'un hématome supraculaire de la rate. Et à ce moment-là, le malade fait l'état de choc une heure après. Voilà, deux heures après. Alors, cette définition, ces définitions, en quelque sorte, ne s'appliquent pas. Ça m'a dit à ce Michel, d'autres définitions en utilisant des scores de gravité. Ça, c'est un score en réa, mais en urgence, on ne peut pas le faire, parce qu'il y a plusieurs paramètres techniques, biologie, radiologie, etc. Donc c'est pourquoi aujourd'hui la définition actuelle de polytraumatisme, c'est là. Un polytraumatisé, c'est un patient qui a souffert d'un traumatisme violent, quelles que soient les lésions apparentes. Quelles que soient les lésions, un traumatisme violent. L'exemple de Tifouah Al-Mustika. Il faut le considérer comme polytraumatisé ou
Ben, il faut considérer ton produit comme activité jusqu'à perte de contrôle. C'est ça la notion. Donc, un polytraumatisé, un traumatisme grave, c'est quelqu'un qui a souffert d'un traumatisme violent, quelles que soient les lésions apparentes. Donc, vous voyez qu'on a abandonné les anciennes définitions pour revenir à cette définition moderne pour dire que le traumatisme violent. Mais bon, pour vous, quelle est la définition du traumatisme violent? Comment peut-on les définir? Il n'y a pas de lésion apparente, bien sûr. Alors voici quelques éléments de la violence d'un traumatisme. Exemple, un malade éjecté d'un véhicule. Quand il y a un malade qui est éjecté, un patient qui est éjecté d'un véhicule, on peut considérer que le traumatisme est violent. Et à ce moment-là, le patient est considéré comme traumatisé, grave ou infime traumatisé. Deuxième notion de la violence du traumatisme, lorsqu'il y a un passager qui est décédé. Il y a une voiture où il y a deux ou trois passagers, il suffit qu'il y ait un seul qui est décédé, même si on vous ramène un malade qui va très bien, vous devez le garder dans l'esprit qu'il s'agit d'un malade traumatisé grave. Troisième notion de la violence d'un traumatisme, lorsqu'il s'agit d'une chute d'un hauteur assez élevé, au-delà de 6 mètres. 6 mètres, c'est combien? C'est 2 étages. Donc, une chute de 2 étages, même Kajabou Imchalasaké, donc vous devez le considérer comme une victime grave. Quand même. Alors, les victimes également projetées ou écrasées, quand il y a l'option d'un écrasement, c'est important. Également l'appréciation globale, quand le SAMU, par exemple, on le téléphone en disant qu'il y a un accident de la voie publique, bon, il n'y a pas de victime, il y a une détresse vitale, mais quand même les voitures sont tellement écrasées que ça suppose que le choc est violent. Et qu'il faut faire attention et considérer ces malades comme des traumatisés graves. Quand quelqu'un également il roule avec une vitesse importante, quand il y a un motocycle donc sans non casqué, quand il y a un conducteur ou bien l'accompagnant qui est à côté de lui n'a pas de ceinture de sécurité, ces éléments doivent orienter vers un traumatisme violent. La notion de blast, d'une explosion, et puis, alors toutes ces notions-là impliquent qu'il s'agit d'un traumatisme violent. Alors revenons un petit peu à la physiopathologie, c'est-à-dire que un polytraumatisé ou un traumatisé grave, les mécanismes lésionnels sont de deux types. Soit il s'agit de la lésion directe, un impact direct, ou bien indirect. Alors indirect, c'est les phénomènes d'accélération ou de décélération ou blast. Évidemment, chez un malade polytraumatisé, n'importe quelle partie de l'organisme peut être touchée. Alors, là, il y a quelques chiffres, je ne sais pas si c'est important, pour vous dire qu'un polytraumatisé, il y a souvent, donc entre 80 à 90%, soit un traumatisme du bassin, ou bien un traumatisme des membres associés. Donc c'est fréquent. Si vous avez un traumatisé grave et un traumatisme thoracique, pensez tout de suite que probablement il a une lésion osseuse qui passe souvent inaperçue. Surtout les malades qui ont un traumatisme crânien. Ceux qui ont un traumatisme crânien, ils ne peuvent pas vous dire j'ai mal au niveau du pied ou au niveau d'un membre sup. Et pourtant, ils ont une fracture. Alors, souvent, ça passe à côté. Je me rappelle d'un malade en réa qui a été hospitalisé pour un traumatisme crânien et un traumatisme thoracique et qui avait un traumatisme de l'épaule grave. Passé inaperçu. Voir-t-elle, je suis lorsqu'il est sorti de l'animation, et quand il est parti porter plainte devant les tribunaux, à ce moment-là, on envoie un médecin expert pour faire l'expertise médicale. On lui a raconté que son épaule était bloquée et qu'il n'arrive pas à la bouger. On lui a demandé d'installer un IRM. Là, il y avait un traumatisme complexe de l'épaule. Et là, ça posait un problème. Est-ce que ce traumatisme est en rapport avec l'épaule d'un accident ?
Parce qu'il n'y a aucun élément qui fait dans le dossier qui dit que le malade est traumatisé des fois. Donc assez souvent, il y a des lésions qui passent inaperçues, mais mettez dans la tête que les lésions périphériques sont fréquentes. Dans le cadre de polytraumatisés, souvent le traumatisme crânien est associé presque à 2/3 de malades. Le thorax presque dans la moitié des cas, l'abdomen dans 35% des cas et le rachis seulement dans 15% des cas. Ça c'est une répartition, c'est des études multicentriques. D'abord, bien sûr, les types de lésions qu'on peut observer au niveau du crâne, on va les détailler tout à l'heure. Au niveau du thorax, ça peut être un simple polythoracique, une confusion pulmonaire. Un hémo ou bien un pneumothorax, ça peut être des fractures également du sternum, de l'hémoplate, etc. Au niveau de l'abdomen, ça peut être une fracture du foie, de la rate, ça peut être le mésentère, le pancréas, etc. etc. Je vais revenir tout à l'heure. Alors ça, c'est juste pour vous donner une idée sur l'estimation des pertes sanguines. Ça, c'est important. Parce que assez souvent, surtout pour le fémur, le bassin, la quantité de ténement est sous-estimée. Un malade qui a une fracture du fémur, il peut perdre jusqu'à 2 litres de sang. Surtout les fractures ouvertes du fémur. Quand deux fois un interrogateur, le malade a une fracture ouverte du fémur, il est en train de choc, il est en train de chercher une autre cause du fémur. En particulier un hémopéritoire. Alors que le saignement, la fracture du fémur en elle-même, elle peut donner un état de choc. Le bassin, c'est une source de saignement important, ça peut aller jusqu'à 4 à 5 dans en particulier l'hématome rétro-péritonial. Alors, quelques notions, quelques définitions, ça c'est, je vous le dis parce que ça peut être des questions comme ça. Qu'est-ce que c'est l'effet de sommation, l'effet d'occultation et d'amplification? Entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet de sommation? La sommation, c'est la somme. Allez, un malade polytraumatisé, c'est un malade qui peut avoir plusieurs lésions. Par exemple, un traumatisme crânien, un traumatisme thoracique, un traumatisme abdominal, un traumatisme léger. Quand il y a plusieurs traumatismes, ça ne fait que aggraver la situation. Plus il y a plus de lésions, plus c'est grave. Donc ça, c'est l'effet de sommation. C'est-à-dire la somme. Quand il y a des associations lésionnelles, ça ne fait que aggraver le pronostic du malade et augmenter la morbimortalité. Deuxièmement, l'effet d'occultation. Alors, l'effet d'occultation, une lésion peut cacher une autre. Allez, exemple. Une lésion peut cacher une autre. Exemple. L'exemple dit que le traumatisme crânien, que le malade est dans le coma, s'il a un traumatisme de l'orachis, il ne peut pas le voir. Oui ou non? Si le malade il a un traumatisme crânien, qu'est-ce qu'il fait? S'il a des lésions abdominales, je peux le cacher tout genre. Il ne va pas exécuter les ordres, par exemple, pour mobiliser un membre, pour le haraki, vous connaissez ça. Donc, c'est l'effet d'occultation. Et puis, le troisième effet, c'est l'effet d'amplification. C'est quoi l'effet d'amplification? C'est quoi l'effet d'amplification? C'est-à-dire que, quand on a une lésion, elle peut s'aggraver par la présence d'une autre lésion. L'exemple type, si vous avez un traumatisme crânien,
qui va entraîner des troubles de la conscience, oui ou non? Donc le malade va avoir des problèmes respiratoires pour deux raisons. Non. Quand on a un traumatisme crânien, il y a des répercussions respiratoires. Soit un problème d'hypoventilation d'origine centrale, soit chute de la langue et l'inhalation. Ben oui, parce que l'inhalation en estime. Les réflexes de protection des voies aériennes sont abolis en cas de coma. C'est-à-dire, quand il y a du liquide qui sort de l'estomac dans la bouche, coma s'échappe. Rarement. Parce que vous avez des réflexes. C'est les cordes vocales qui se ferment. Il y a l'effort de tout. Chez les malades dans le coma, ils n'ont pas d'effort de tout. Et deuxièmement, ils ne peuvent pas fermer les cordes vocales. Donc le liquide va passer directement dans les branches. Donc, en cas de traumatisme crânien, les troubles de la conscience vont entraîner donc, soit de l'inhalation, soit de l'hypoventilation, soit une obstruction des voies aériennes. Cela va être à l'origine des troubles de l'hématose, c'est-à-dire une hypoxie. Hein? Et cette hypoxie-là, bien sûr, elle va être en elle-même néfaste sur le cerveau. Donc vous voyez qu'il y a un tout, c'est un cercle vicieux. Ça, ce qu'on appelle l'effet d'amplification. Alors, si vous avez un traumatisme thoracique associé au rhumatoïde, il va donner de l'hypoxie par différents mécanismes, soit par la lésion directe, fracture d'une côte, d'une contusion pulmonaire, soit un hémothorax ou un pneumothorax qui va entraîner une hypoxie, laquelle elle-même, elle peut aggraver les lésions cérébrales. Vous voyez que le cercle, ça, c'est le phénomène d'amplification. Alors c'est pourquoi on intube les malades qui ont un trouble de la conscience majeur pour éviter l'hypoxie justement, et la correction de cette hypoxie va nécessiter la ventilation artificielle. Alors concept de la mort évitable, je me rappelle comme bébé, 50% des malades décèdent à la première heure, 30% durant 24 heures et 20% donc, le reste de l'évolution, ça peut aller jusqu'à plusieurs semaines. Alors, les gens qui connaissent un peu la prise en charge de ces maladies-là, ils ont remarqué que, quand même, il y a beaucoup de décès qui sont évitables. Pour plusieurs raisons. Alors, ces décès sont évitables. Pourquoi? Parce que il y a des erreurs dans la prise en charge, stratégiques dans la prise en charge. Deuxième cause, erreur de stratégie chemin, la prise en charge initiale. Ça veut dire quoi? Par exemple, l'exemple type, un malade qui vient d'être choc. Comment tu le fais quand il y a un malade qui vient de faire chaud, c'est quoi? Comment tu le sais? Oui. Il y a quelque chose qui va le remplissage. Est-ce que c'est vrai toujours? Ça, c'est une erreur de présenter le détail chaud qui est secondaire à autre chose. Par exemple, il y a une contusion myocardique. Oui ou non? Ça peut s'observer ou non? Alors, est-ce que le fait de remplir un malade comme ça, c'est bénéfique? Non. Non, mais c'est plus que la dernière. Est-ce que l'état de choc, quand il est secondaire à une section de moelle, remplir de façon intempestive, c'est bon? Donc, vous voyez un petit peu que les erreurs de stratégie, c'est ça la source d'erreur. Deuxième source d'erreur, quand la réanimation commence tardivement. Et ça, vous le savez, dans tous les hôpitaux, il y a des erreurs de prise en charge. Il y a des accidentés de la voie publique qui restent dans des structures d'accueil. Quand on veut s'arrêter, on veut s'arrêter. Ça, et puis par la suite, elle est obligée d'aller à la mention en Grenade. Le malade n'est pas mort. Alors que le malade a un sarti, ou elle est obligée d'urgence, il y a pas. On va dire au Sénat, on attend à ce que le scanner ou l'évaluation soit fait pendant 2 heures. Évidemment, ça c'est du temps perdu. Donc un retard de la prise en charge égale bien sûr une augmentation de la mortalité.
un défaut d'organisation, des structures d'accueil. Pas un sou. C'est juste un sou. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Normalement, dans les pays développés, les accidentés, les traumatisés graves, ils ont pas le sous les gens. Directement à la salle de l'éveil ou à la salle de chauffage. En France, ils ont des salles de l'éveil. Ce n'est plus les salles de chauffage. Le système américain, les salles de chauffage. Donc comme ça, on va éviter les pertes du temps, les gens ont d'expérience, ça va vite, etc. Hein? Je pense que à tous, dans les deux structures, il y a des salles de chauffage, mais là, il y a des consignes sans fièvre. Un traumatisé grave, directement des chauffages. Avec les définitions, donc il y a une cinétique de violence qu'il faut admettre le malin. Il y a des scores aussi de triage. À la fin, quand il y a une cinétique de violence, il y a 4 3. Il y a 3 pour 5 de chauffage. Ça va venir dans la formation des gens, parce que la plupart des médecins qui travaillent dans les structures hospitalières, comme moi, quand on m'a enseigné le polytraumatisé il y a 20 ans, je retiens cette définition. Un polytraumatisé, c'est un malade qui a plusieurs lésions graves, dans une pour moi, plus que ton jeu, pour un voilà. Alors que la définition, c'est pas ça. Pourquoi tu es sur les gens qui ont fait ça? Ils ont parlé d'autres fois. Oui, moi. Complètement, il est décédé. Et quand on voit l'inter ou le médecin de la santé publique, il a vu, on va l'utiliser à la personnalité. Alors qu'il suffit de faire un interrogatoire pour savoir s'il y a une traumatisme violent. Également, l'expérience des structures d'accueil hospitalières. Plus on fait, plus on travaille, plus on commet des erreurs, plus on s'améliore. Les gens qui ne s'améliorent pas, ceux qui coûtent rien. Mais les gens qui travaillent vont s'améliorer avec le temps. Donc vous voyez que la qualité de prise en charge conditionne le pronostic. Bon là, je passe rapidement. Vous voyez que la répartition des décès en fonction de ces erreurs, en fait, des désorganisations des structures. Alors ce que les gens disent, qu'il y a à peu près le 1/5 des malades. Il fallait opérer, mais le diagnostic n'a pas été fait. Il y a à peu près la moitié des malades d'indication opératoire n'a pas été posée. Il y a 40% où les malades sont opérés tardivement, parmi les malades morts, bien sûr. 10% il y a des erreurs de réanimation, oui, bien sûr, il y a 8% des lésions qui passent inaperçues. Hein? Alors, vous savez que la prise en charge des malades polytraumatisés nécessite plusieurs personnes, à la fois les cadres médicaux, les cadres médicaux importants, et les cadres paramédicaux. Alors, les médecins, bien sûr, c'est les anesthésistes-réanimateurs, les médecins urgentistes, les chirurgiens, les radiologues, et puis les infirmiers. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a une bonne organisation dans la prise en charge de ces malades. Alors, il y a rapidement, quels sont les objectifs de la prise en charge d'un polytraumatisme? C'est simple. Alors la prise en charge, elle est simple, comme tout. Le premier objectif, c'est de connaître les gestes vitales. Il faut les connaître avant de traiter. Alors, si on ne les connaît pas, on ne peut pas les traiter. Deuxième objectif, c'est de faire un bilan résumé diagnostique. Ce n'est pas du tout facile. Ça, c'est de la théorie. Quand il y a un traumatisé grave qui arrive, on est parfois perdu. Alors, bien sûr, il faut être méthodique et simple. On va revenir tout à l'heure. Il ne faut pas s'approcher. Quand il y a un traumatisé grave, vous allez reconnaître tout d'abord. Les principales détresses vitales, c'est facile à connaître. Essayez de voir quelles sont les différentes lésions qu'on peut au moins voir et suspecter. Alors, il
y a deux principes dans la prise en charge pré-hospitalière du malade traumatisé grave. Il y a le système français, francophone. Il y a le système anglo-saxon. Alors le système français, il est basé sur ce qu'on voit en Tunisie. C'est-à-dire la prise en charge médicalisée en pré-hospitalière. Le ramassage par un médecin, par une ambulance médicalisée. Ça, c'est le système français. Et il y a le système américain, c'est le système ce qu'on appelle scoop and drag. Alors, il faut mettre le malade dans la voiture, n'importe quelle voiture, à toute vitesse vers la structure hospitalière la plus proche. C'est un système américain. Scoop and drag. Et puis le système français est basé sur la prise en charge médicalisée. Alors ce deux concepts-là, chacun y défend un peu son principe, sa méthode de prise en charge. Alors le système français, ils nous disent pourquoi il faut une ambulance médicalisée, etc. Il faut un médecin sur place. Ils ont dit que les soins médicaux durant la première heure, comme on l'a dit tout à l'heure, comme ça, alors est-ce que le fait d'envoyer un médecin pour traiter ces maladies-là, ça peut être bénéfique? Si on traite une détresse respiratoire par l'intubation, l'oxygénothérapie, si on traite une insuffisance circulatoire par la mise en place d'une voie veineuse, un remplissage, un peu de drogue, etc., ça permet d'améliorer les maladies. Ça, c'est vrai. Ça c'est vrai pour quelle, surtout pour l'hypoxie et le traumatisme crânien. Mais, ça je vous le dis à vous, supposons un malade qui a une rate, un fracas de rate, il a un niveau péritoine important. Est-ce que le fait de passer, et je sais, hein, de passer 15 minutes à mettre une voie veineuse, ça permet de sauver une maladie. C'est un retard de prise en charge. L'hémorragie, pour arrêter l'hémorragie, il n'y a que la chirurgie. Il n'y a pas autre chose. Et justement, il y a à partir de ce point de vue que le seul traitement de l'hémorragie chez un malade, c'est la chirurgie. Il y a eu ce concept de l'américain Scopendal, en se basant que pour l'hémorragie, le seul traitement pour arrêter le saignement, c'est d'aller au bloc opératoire directement, d'aller dans un hôpital ou la structure la plus proche. C'est ça le concept américain. Ça, c'est vrai pour tout ce qui est amélioration de l'oxygénation, etc., de l'évolution du malade. Mais pour l'hémorragie, la chirurgie, c'est le concept. À n'importe quoi que vous voulez acheter, on s'en fout. Ça, je vous le dis, il y a ces deux concepts. Mais de toutes les manières, les études nous ont montré qu'il n'y a aucun système qui est supérieur à l'autre. Les deux attitudes sont défendables. Pourquoi vous demandez en toi de voir. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir une ambulance médicalisée, d'aller mettre rapidement de l'oxygène, d'intuber un malade, retirer vite. En continuant la réanimation en cours de route. Oui ou non? Donc c'est ça, à peu près. Alors, voici les quatre étapes que chacun d'entre nous doit connaître pour ne pas être affolé dans une situation d'urgence. Quand il y a un malade polytraumatisé qui arrive, la première étape donc, de la prise en charge, c'est de reconnaître les détresses vitales et de les traiter. Alors, évidemment, il n'y a pas agi une détresse vitale, il y en a trois. La détresse neurologique, circulatoire et respiratoire. Et puis, deuxième étape, c'est d'examiner rapidement le malade et faire quelques gestes complémentaires pour éviter l'aggravation. Je m'arrête. Exemple type. Je fais le diagnostic d'une détresse circulatoire, le malade est en état de choc.
Bien sûr, je vais traiter cette thèse, cette hémorragie, cette choc rapidement, par exemple, qu'il s'agit d'un choc hémorragique. Si je vois un saignement actif, par exemple, une section d'une artère, l'artère fémorale, une artère radiale, non, non, voilà. Hein? Je vais mettre ma main, je vais stopper pour arrêter l'hémorragie. Si ce n'est pas avec la main, on peut stopper l'hémorragie avec un garrot, avec un pansement compressif. Donc c'est ça, stopper, limiter le saignement. Évidemment, quand je combats les abcès, c'est-à-dire les facteurs d'agression cérébrale dans les systémiques, il faut les éviter. Donc maintenant, on a l'hypoxie, c'est une maladie d'hypoxie. Il va subir, on va lui mettre de l'oxygène, hein, c'est une maladie hypotherme, on va le couvrir, hein, etc. La troisième étape, ça, ça va en même temps, hein, reconnaître la diversité, c'est en prenant une tension artérielle. En même temps, on fait la réanimation avec une thérapie fonctionnelle, c'est un geste, un remplissage, la chimiothérapie, etc. Ça vient de tout. Et par la suite, essayer d'orienter le malade vers l'hôpital le plus adapté. Évidemment, si j'ai un malade qui a un traumatisme crânien grave, moi je suis un fuite, hein, mais je ne veux pas cacher. Oui ou non? C'est logique. Je dois amener mon malade là où il y a la structure qui peut l'accepter. Alors si je suspecte, par exemple, j'ai une plaie, par exemple, pénétrante du thorax, je suis médié, je vais l'amener où? Là où il y a un service de chirurgie cardiaque et thoracique. Ah, c'est vrai. Donc ça va orienter les services. Ça va orienter le malade là où il faut. Voilà, on va compliquer la maladie. Hein? C'est parce que assez souvent, malheureusement, les malades traînent dans les hôpitaux. Vous voyez, il est ramassé. Une fuite, on l'amène quand même à l'hôpital de faire un cachet. On va d'ailleurs passer à la maison sur un cachet. Vous voyez, parce qu'elle s'est où après 3 heures. C'est trop tard. Donc vous voyez, ça va orienter le malade vers la structure la plus proche. Bon, là, le damage control, on a qu'à aller vous battre. Alors, la quatrième étape, c'est. Au cours du transport du malade, il faut continuer les mêmes soins, la même surveillance et la même vigilance. Parce qu'au cours du transport, moi je ne cache pas, il y a beaucoup d'accidents qui arrivent. Il y a des centres d'incubation qui s'arrachent. Des voies veineuses et la partie interne, on est venu en fait agir une partie de là. Donc le transport doit être rigoureux, on a qu'à aller sur le bras. Donc il faut faire attention. Bon, là les mécanismes, j'en passe, on en a cité tout à l'heure. Je vais passer directement. Alors, les critères de gravité d'un traumatisme. Parmi les critères de gravité d'un polytraumatisé, c'est les associations lésionnelles. Et que dans le mécanisme de polytraumatisé, il y a certains éléments d'orientation, en particulier. Chaque fois que ça, c'est un principe. Chaque fois que vous avez un traumatisé du crâne, égale traumatisé de la chair cervicale. Tout traumatisé du crâne, voilà, crânio-facial, égale traumatisé de la chair cervicale. Jusqu'à preuve du contraire, quand je dis jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on a fait toutes les explorations qui ont permis d'écarter toutes les lésions de la chute cervicale. Quand vous avez quelqu'un qui a chuté d'une hauteur avec une réception sur les pieds, par exemple, premier étage, deuxième étage, vous allez certainement avoir des lésions du calcanium, mais quand même, n'oubliez pas le rachis et le bassin. Donc une réception sur les pieds égale fracture. Donc du rachis et des fractures du bassin. Les phénomènes de décélération. Ça c'est important.
Quand quelqu'un vous dit je roule à toute vitesse et tout d'un coup j'ai freiné, alors vous voyez, même s'il est en apparence normal, je pourrais avoir des lésions par décélération. Et ces lésions par décélération ont pu toucher tous les organes sans exception. De la section jusqu'à l'arrachement complet d'un organe. Nous commençons par le cerveau jusqu'aux organes donc intra-abdominaux et intra-thoraciques. Donc, méfiez-vous des lésions internes qu'on ne peut pas voir lors des phénomènes de décélération. Alors, le tableau de bord, généralement, quand il n'y a pas de ceinture de sécurité, généralement, traumatisme du genou de l'arbre. Et enfin, les phénomènes de défenestration et de suicide, pour toujours penser à une intoxication. On vous dit que ça, par le cinquième étape. Évidemment, quand on est aux urgences, on est à un cinquième étage, on est concentré uniquement du groupe du coma, concentré sur le traumatisme crânien. Et bien, il ne faut pas oublier que c'est un malade qui peut avoir une intoxication. C'est classique. L'intoxication est volontaire, évidemment. Alors, l'examen clinique, c'est un malade pour les traumatiser, il n'est pas toujours facile. Allez. Alors, il est difficile pour les raisons suivantes. Alors, pourquoi il n'est pas facile? Tout d'abord, les conditions ne sont pas favorables, surtout sur le lieu d'accident. Derrière la bicarbonate, le CLC. Parfois, il y a plusieurs victimes. Comme ça, vous êtes obligé d'avoir 6 ou 8 victimes ensemble. Il y a un peu angoissé, affolé. Donc l'examen clinique n'est pas, les conditions ne se prêtent pas. La deuxième raison, c'est que le malade est mis sur le A. Il ne peut pas s'orienter sur une lésion particulière. Tu es un peu perturbé dans tout ça. Et que l'évaluation clinique, elle est difficile. Évidemment, bien sûr, quand il y a un état de coma, une lésion minimale, ou bien une anesthésie, ou une sédation, l'examen ne peut pas être facile. Donc, supposons que vous êtes aux urgences, et vous avez un malade de Samuel de Bédouata, une ampoule d'hypnovert parce qu'il est agité. Et là, franchement, les douanes cliniques, tu ne peux pas évaluer l'état de conscience. S'il a reçu un morphine, tu ne peux pas évaluer la douleur, la mal à quel niveau, etc. Alors là, encore plus grave quand il y a un traumatisme crânien ou un traumatisme médulaire. Là, quand il y a quelqu'un qui a un traumatisme médulaire, j'aime pas que ça coûte. Hein? Quand il y a quelqu'un dans le coma, il ne peut pas exécuter les ordres, etc., etc. Tous ces éléments-là peuvent rendre l'examen clinique difficile. Moi, je m'en vais quand l'examen clinique est difficile, on ne le fait pas. L'examen clinique, on le fait malgré tous les inconvénients ici. Alors, il est primordial pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que l'examen clinique permet de faire le diagnostic de différentes détresses. Qu'elle soit circulatoire, respiratoire ou neurologique, c'est pas magique. Et deuxièmement, l'examen clinique également permet de faire le diagnostic de quelques éléments importants, en particulier un pneumothorax suffocant. Quel que soit l'inconvénient à ces éléments qui sont présents, un pneumothorax c'est facile à diagnostiquer. Et que son traitement aussi permet de sauver le malade. Donc il suffit de mettre une aiguille et que le pneumothorax suffocant devient bien toléré. Également, l'examen neurologique et en particulier l'état de pupille est important. Et médial et unilatéral d'un côté permet quand même d'orienter vers une vision neurologique urgente à faire. En particulier l'hématome extradural. Donc c'est important. L'ischémie d'un membre également, quand il y a un membre qui, où il n'y a plus de pouls, qui est froid et cyanosé, donc ça permet d'orienter par une ischémie.
Les fractures ouvertes en particulier, on peut faire des diagnostics quand l'os est cassé et les plis en deux. Voilà à peu près donc l'intérêt de cet examen clinique. Alors sur le lieu de l'accident, s'il s'agit d'un transport médicalisé, voici les différents moyens de conditionnement qui peuvent être donc pratiqués chez un malade polytraumatisé. Donc chaque fois que vous allez le conditionner, ce qu'on appelle le conditionnement. Alors le conditionnement, il est basé sur la surveillance des paramètres vitaux, c'est-à-dire la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la saturation artérielle en oxygène, SpO2, la saturation pulsée, la température. Bon là, c'est pas toujours la pression, mais si on a les moyens de surveiller la pression pré-expiratoire de CO2, après avoir étudié le maire. Hein. Maintenir une voie veineuse de gros calibre. Du gros calibre pour permettre le remplissage vasculaire. Une voie centrale si la voie veineuse périphérique est insuffisante, elle est impossible. Et sur certaines ambulances médicalisées, on peut faire un électrocardiogramme grave. Et l'hémoglobine, c'est l'hémoglobine instantanée. On a des petits appareils, vous montrez la photo, ça existe un peu ici, un peu partout. Et on a l'appareil d'extro. Et ça permet de mesurer l'hémoglobine dans la seconde qui suit. Et ça permet de nous donner une idée sur le malade insane. Bien sûr, il faut mettre un collier cervical, on est un peu pris, donc chaque fois qu'il y a un traumatisme crânien. À chaque fois qu'on suspecte une lésion de la cisse cervicale, il faut protéger les malades contre l'hypothermie, donc mettre une matelas chauffante, et essayer de donner des analgésiques, des traitements antidouleurs, les malades sont mal. Alors ça peut être du perfalgan, ça peut être de la morphine. Voilà quelques bonnes choses. Alors, bon, la désincarcération. Juste pour vos connaissances, toujours. Hein. Alors, chaque fois qu'il y a un accident de la voie publique, essayez de sécuriser la zone de travail, tout à fait avec l'arme. Un chef de service, un métier. Alors, je veux dire, il y avait un accident de la voie publique, il est descendu de sa voiture pour donner secours. Et là, ouais, c'est trappé. Il y a un polytraumatisme, une fracture de deux jambes. Il a passé chez nous en l'air pendant un mois et demi, je crois. Donc chaque fois qu'il y a un accident de la voie publique, il faut mettre une zone de secours, sécuriser la zone, par mettre des plaques de signalisation. Il y a une petite drapeau. Alors pour faire sortir un malade d'une voiture, bien sûr ça c'est une technique de ramassage, hein. Il faut essayer d'ouvrir les portes ou bien le pavillon de la voiture et commencer par dégager les membres inférieurs et extraire la victime généralement à deux personnes. Je passe rapidement, c'est pas important. Avoir stratégie d'abord venir à l'actif. Alors, les gestes démonstratifs d'extrême urgence, ça c'est important. C'est important, chaque fois que vous avez une hémorragie, ça permet de sauver les malades. Parce qu'ils nous disent ça, parce que je vois ça tous les jours. Alors, par exemple, un scalp du cuir chevelu, d'accord, la merde. Un scalp, ça peut donner une état de choc. Voilà, c'est la question. Un scalp du cuir chevelu, ça donne une état de choc. Même chez la vie. C'est une zone hypervascularisée. Alors, c'est simple, hein. Quand vous avez un scalp du cuir chevelu, moi, je travaille sur le lieu d'accident. Pansement compressif sur la tête, ça permet d'arrêter une maladie. C'est déjà stressant. On va déjà parler de l'hygiène, de matelas, oh, mais bien. Alors celui qui a ramené ce malade n'a pas eu le temps de faire un pansement compressif. Alors, s'il y a un vaisseau également qui kiffe, on peut mettre des garrots. Alors, il y a des épistaxis qui sont importants. Par une lésion vasculaire, surtout quand il y a un traumatisme de la base du crâne, et ça peut se développer énormément.
Bon, relativement, généralement, quand on a un peu d'expérience, on peut mettre une sonde lunaire, et on gonfle le ballon. Hein? Il faut les lunettes techniques. Alors, généralement, quand on fait un soulèvement, ça peut s'arrêter. Bon, c'est des gestes. Alors, les ça, c'est des techniques d'immobilisation de la chaise cervicale. Généralement, on utilise des lunettes, pardon. On utilise des lunettes, donc avec un appui mentonnier, un appui cervical et occipital, external. Donc ça, c'est la meilleure technique ici. Elle est rare, ce n'est pas une mobilisation parfaite, mais plutôt ces minerves-là qui sont plus efficaces. On peut immobiliser le malade quand il y a des fractures périphériques avec la matraque. Alors maintenant, comment on fait le diagnostic des différentes détresses et comment peut-on les traiter?